Mesdames, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Si vous êtes sur Spectrum Télévision, vous faites bien. Vous êtes sur Entre Copines, la plateforme d'échange entre les femmes, l'émission qui s'adresse aux femmes, avec les femmes et dans l'intérêt des femmes. Seulement aujourd'hui, nous ne sommes pas entre copines. Nous recevons des hommes. Marx de Grojo disait, les hommes sont des femmes comme toutes les autres. C'est dire s'ils ont aussi leurs envies, leurs besoins, leurs frustrations et leurs attentes. Avec les messieurs d'aujourd'hui, on va parler des femmes, de ce qu'ils pensent d'elles, du regard qu'ils posent sur elles, de leurs attentes. Merci de rester avec nous. Pour parler des femmes ce soir, je suis avec trois grands et charmants hommes. Je suis honorée d'être à eux ce soir, rien que pour moi, juste le temps de l'émission, s'il vous plaît. Ah, moi, je crois que tu ne peux pas être à nous tous. Hein. Moi, je suis jaloux. Hein. Moi, je ne partage pas À beaucoup. ma droite, j'ai Monsieur Stéphane Weldjou, plus connu sous le nom de Blakoya. Bonsoir, Blakoya. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous regardent, bonsoir à toutes les femmes. Bon, aujourd'hui, nous, on a l'opportunité de régler nos comptes. J'espère que vous allez supporter. Hein. Parce que les poissons brisés que certains mangent, après, commencent à nous dire qu'on n'aime pas rester tard dehors. Mais quand c'est l'heure, quand c'est encore sur le feu, vous On n'est n'avez pas pas l'heure, pressé. vous n'êtes pas pressé. Tout ça, on va décortiquer ça ici aujourd'hui. On est venu pour ça. Alors, vous avez Pas de anticipé. rancune, s'il vous plaît. Vous êtes humoriste, acteur, réalisateur et animateur sur ABK Radio. Vous faites la matinale avec avec Kouamo. Est-ce qu'il y a quelque chose, Didier Kouamo, pardon. Didier Kouamo, Est-ce oui. qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ce chapelet de Oui, mais réalisateur, pour moi, c'est un peu prétentieux. Je ne suis pas réalisateur en tant que tel, parce que professionnellement, je ne pourrais pas dire que je suis vraiment réalisateur. Oui. Mais mes courts-métrages que je fais pour diffuser sur YouTube, qui ne respectent pas toujours les règles, hein, il faut le dire, pour certains courts-métrages, je les réalise par moi-même. Pourtant, je dis que je n'ai pas la prétention de dire que je suis un réalisateur professionnel. Donc, je suis producteur, je suis Oui. événementiel, je suis acteur, je suis humoriste. Et là, maintenant, je suis entrepreneur. Oui. Je viens de prendre les bureaux de mon entreprise qui va faire dans la production, dans l'événementiel, dans la publicité et dans la communication digitale. Merci d'être venu. Merci aussi. À ma gauche, on a Blaise Tedjou, plus connu sous le nom de Blaise Option. Bonjour Blaise. Bonjour, 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 chers téléspectateurs. Et je suis honoré d'être Merci d'avoir accepté d'être là. Vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, producteur, c'est ça? Non, pas scénariste. Je ne suis pas Ah. scénariste. Pas scénariste, c'est un métier dans le cinéma. Oui. Que les gens ne. C'est un métier à respecter dans le cinéma. Avant, je croyais que j'étais scénariste parce que j'ai eu à écrire deux, trois films. Oui. Mais écrire un film ne te définit pas scénariste. Oui. Voilà. Il y a les règles à respecter. C'est un métier, comme j'ai dit, dans le cinéma. Je suis pourtant réalisateur parce que je me suis formé pour être réalisateur. Je suis réalisateur, acteur et producteur. Merci d'être honnête. Alors, the last but not the least, nous avons à l'extrême gauche Christian Ouimet. Il fait le MC, hein, Pourquoi annoncer comme ça? je l'annonce comme le MC qu'il est. Il est également animateur télé sur STV Télévision. C'est lui qui gère notre matinale de lundi à vendredi, Good Morning Cameroun. Et c'est lui qui présente la seule émission de basketball sur l'environnement audiovisuel au Cameroun. Bonsoir Christian. Bonsoir Hermine, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, parce que j'imagine que beaucoup d'hommes sont là aujourd'hui, parce que quand les femmes s'asseyent pour parler des hommes, les hommes n'aiment pas être là. Et donc quand les hommes s'asseyent pour parler des femmes, on est très nombreux. Et donc j'espère que les femmes, vous êtes aussi nombreuses que d'habitude. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être de l'autre côté aujourd'hui? D'habitude, c'est vous qui posez des questions. Vous avez... Ça fait peur, ça fait peur. On se demande, on comprend dans quelles conditions nos invités sont souvent quand ils arrivent, avec voilà, le stress des caméras, les lumières et tout, des questions qui vont arriver, dont on n'aura peut-être pas la réponse juste, mais
Ça a fait une belle expérience d'être assis ici. Mais pour ce sujet, si Christian n'était pas là, ça, on devait avoir un manque. Ça a été vraiment indiqué pour le sujet. On verra bien, on verra bien. Non, je te connais. Monsieur, merci d'avoir accepté d'être sur le plateau de Entre Copines. On revient juste après. Alors, Black Oya, nous allons commencer avec vous. Quels sont les critères physiques qui vous font vous retourner sur une femme? Bon, il faut que je... Oui, c'est la question, elle est... Tu peux donner une définition ici, peut-être une autre qui est quelque part, dit que merde, là. Ça veut dire qu'il se met le pot de fleurs. Non, la vérité, je dis toujours aux gens, la première des choses qui attire un homme, quand on voit une femme en route, on ne connaît pas son bon comportement, on ne connaît pas ses belles habitudes, sa bonne famille. La première des choses, c'est d'abord le physique de la femme. C'est bien pourquoi j'ai demandé le critère. Maintenant, quand tu demandes le critère, c'est compliqué. Physique, j'ai dit. Oui, le critère physique, c'est compliqué parce que, bon, on a quand même eu des variations et il ne faut pas que certaines se sentent frustrées. Oui, mais il y a quelque chose qui reste. Il y a des critères. Oui, il y a la taille. Comment je vais dire ça? Moi j'aime les femmes vraiment. Quand tu la vois, elle est. Du coup, tu vois une femme, elle est le côté féminin est vite vu. J'aime pas beaucoup de femmes garçons. Mais par contre, j'aime les femmes avec la personnalité. Je veux dire, dès que je te vois, je sens dans tes yeux, je vois, pour ne pas dire que j'aime les gosses, j'aime les... Non, je préfère le dire comme ça. Au niveau de la taille, à une certaine époque, j'aimais beaucoup les femmes grandes de taille, beaucoup plus grandes que moi. Bon, ça c'est... J'ai dit que ça varie, ça varie. Il y a des moments où les envies sont comme ça, après, les envies changent. Mais toujours est-il, moi, personnellement, j'aime les femmes brunes. Et ça, au moins... je vais dire clair de peau, hein. Oui. Ça c'est vraiment un critère à 80% qui passe pour moi. Je veux dire que à 80%, elle doit avoir être claire ou bien. Pour faire la compensation. Non, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire que de manière naturelle, je n'ai pas, alors que j'étais pas aussi. Ce n'est pas comme aujourd'hui, je sais exactement ce que je veux. Oui. Mais à l'époque, quand je regarde mon passé, je regarde les petites amies que j'ai eues dans ma vie, c'était effectivement les femmes brunes. Ce n'était pas un calcul que je faisais, c'était tout naturel. Vous avez juste compris que vous attirez par ces questions. Moi, je suis attiré par les femmes, oui. J'aimerais avoir l'avis de... C'est la présentatrice, elle risque ça. Non, si, c'est... J'aimerais avoir... Christian Blaise, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Je commence par vous, Christian. Quels sont les critères physiques qui vous font vous retourner sur une femme? Moi, déjà, à la base, j'aime les femmes grandes. Les femmes grandes et filiformes, moi, ça me fait de l'effet. Et puis, bon, maintenant, après, ce n'est pas toujours ce qu'on recherche, parce qu'il disait tantôt tout à l'heure que, voilà, après, on finit par découvrir la personne derrière. Mais parce que nous, les hommes, à la base, c'est ce qu'on voit qui nous attire, que tout de suite, on est attiré par ça. Mais après, maintenant, on peut rester sur autre chose parce qu'on aura trouvé autre chose dont peut-être on parlera dans cette émission aujourd'hui. Oui. Mais à la base, moi, je suis attiré par les femmes grandes. Maintenant, après, brune, noire, peu importe. Peu importe. Blaise? Belle femme tout court. Dans les critères de ta femme. Belle femme, que tu sois grande, courte, petite, brune, noire, tant que tu es belle, ça me suffit. C'est quoi être une belle femme? Bon, on dit que la beauté est relative, mais moi... belle femme, il y a les beautés qui ne se cachent pas. Oui. Hein? Ce qui est bien, bien. Bon, personne ne dira que cette dame n'est pas belle. C'est ça. Sauf s'il est jaloux. Oui, maintenant. Voilà, donc c'est ce que je veux dire en fait. J'aime les belles femmes. J'aime les femmes qui sont physiquement belles, oui. D'abord, oui. Avant de regarder maintenant le comportement après. Ah. C'est ce que tu as dit, c'est ce que moi je voulais dire. Parlons de comportement. Quels sont les traits de caractère qui vous retiennent chez une femme? Je commence avec toi, Blaise. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Vous aimez les femmes de caractère, vous les aimez plutôt timides, vous les aimez peut-être... Non, pas timides, timide c'est trop dit. Mais j'aime pas les femmes impulsives. Oui. Voilà, quand une femme est impulsive, j'aime pas les femmes impulsives, j'aime pas les femmes qui vont faire la police derrière moi chaque jour, parce que j'aime pas du tout, même si elles t'aiment comment l'amour là va finir. Mm-hmm. Ouais, j'aime pas la police, c'est-à-dire chaque fois, on cherche à savoir où tu étais, parce que...
chacun est responsable de ses actes. Ouais. Voilà. Donc, si quelqu'un t'aime vraiment, il va te respecter, il va être fidèle, il va t'aimer comme il le faut. Donc, pas besoin d'être impulsif, d'être mener les enquêtes, tout ça. Moi, ça me, c'est le critère que j'aime vraiment chez une femme. Bon, maintenant, autre chose, le respect mutuel. Oui. Le respect mutuel, respecter ton entourage et ne pas toujours prendre la parole. Souvent, tu as une femme, vous êtes en train de discuter entre amis. Un d'eux, elle est rentrée dans vous. Vous êtes en train de discuter entre hommes. Un d'eux, elle est rentrée. Elle, Baba, mais encore même plus que toi, même que son gars, tu as discuté avec tes amis. Au point où même tes amis te regardent comme ça. C'est ça que tu as à la maison. Tu vois, par moi, ça décourage. Ouais. Oui. Voilà. Et Christian, quel est le trait de caractère que tu veux fondamentalement retrouver, nécessairement, je veux dire, retrouver chez une femme? Maternelle. Oui. Maternelle parce que. J'ai pas beaucoup reçu l'amour maternel. C'est pas que je pouvais pas l'avoir, mais certaines conditions dans lesquelles j'ai grandi ont permis à ce que, non pas permis à ce que j'ai l'amour maternel. Et ce qui fait que je suis perpétuellement en train de le rechercher à chaque fois. Je suis quelqu'un de très fort, déjà de caractère, et je supporte justement pas qu'on me dise ce que je dois faire avec un certain ton. Mais quand on me parle comme la mère, quand on m'amène comme la mère, quand on me traite comme ma mère, parce que déjà, j'apprécie la personne, la dame que ma mère est. Et généralement, j'aimerais retrouver à une fille ce que ma mère est. Ouais, un petit peu, cette femme qui a été tout le temps, qui a été soumise, cette femme qui a été là pour sa famille à 100%, à 200% même d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais refusé de sacrifier sa propre vie pour ses enfants, pour son ménage. Pour moi, ça compte énormément parce que après, c'est elle qui est le gardien de tout ça, celle qui protège tout ça. Elle est consacrée à mais toi. Mais est-ce que ce trait de caractère, est-ce qu'il n'est pas variable? Je veux dire que il y a une femme qui peut l'avoir, ne pas l'avoir, vous l'acceptez, une autre vous ne la tolérez pas du tout. Est-ce c'est fondamental chez toutes les femmes que vous avez, que vous avez eues ou plutôt? Non, c'est pas fondamental chez toutes les femmes qu'on a eues encore que on a peut-être eu des femmes dans certaines conditions où on ne recherchait pas forcément ça. Mmh. Ouais, mais après, si quelqu'un recherche comme là, si je recherche une femme, c'est qui a ce trait-là d'abord. D'accord. Que d'abord, on sait que je peux tourner le dos et toi, tu assures les arrières, forcément en te disant que voilà, tu as pris la mesure de la chose et que c'est pour nous, quoi. Tu vois, mais c'est ça. C'est pour moi, ce caractère, il est très, 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 très important. Blakouya, qu'est-ce que vous recherchez chez une femme? C'est moi maintenant. C'est toi. Voilà. C'est exactement toi. Bon. Qu'est-ce que tu recherches chez une femme, en une femme et chez une femme? Première des choses, toute première des choses, elle doit se rassurer qu'elle a de la personnalité. Qu'elle parle de la personnalité, c'est que c'est pas seulement. Je n'ai pas une fille qui va venir me gronder. Je n'ai pas une fille qui va devenir un problème pour moi. La personnalité veut dire que même quand le voisin. Parce que tu vois, aujourd'hui, les foyers se gâtent à cause des copinages. Quand une femme a de la personnalité, même la voisine, avant d'évoquer certains sujets, réfléchit pas quatre fois que la femme, c'est là. En fait, une femme qui a de la personnalité, quand tu la vois, tu peux imaginer des choses qui n'existent pas. Le fait d'avoir la personnalité n'empêche pas que tu aies, que tu aies le côté maternel en toi. Mais la personnalité fait que ça évite que les charançons, parce qu'il y a les voisines là qui sont les charançons, que, c'est-à-dire que le comportement, c'est pour gâter, c'est pas pour arranger. Et une femme qui a la personnalité, aujourd'hui, moi par exemple, j'ai déjà eu à arrêter la relation le même jour de la grève. Tu gardes une fille, vous êtes en train de causer, tu dis parle-moi un peu de toi. Dis que non, je viens perdu mon père dans un accident. Ma mère est morte, c'est un arbre qui était tombé sur elle. Mon petit frère, il portait le bois, ça s'est renversé sur lui. Tout ça, même comme tu vois la maison, on habite chez un oncle. Et l'oncle même en train de qu'on quitte. Le premier jour, hein. Le premier, tout le monde n'avait pas encore, vous n'avez pas encore parlé. Parce que la personnalité permet qu'elle se dise non. Il ne faut pas encore aller. Il ne faut pas bousculer le gars. Oui, il faut d'abord laisser ça. Il faut garder, savoir qu'est-ce qu'on met en priorité. Autre chose aussi, il y a le côté maternel dont ils ont parlé. C'est capital. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une femme. Et c'est le vrai problème. Les femmes passent le temps à penser ce qui est bien pour nous. Sans nous demander ce que nous, on veut. C'est pour ça qu'on est là. Quand une femme est maternelle, elle se rassure de ce que toi-même tu veux. Tu vois une femme, tu rentres à la maison, elle croit que ce qui t'intéresse... C'est manger. C'est manger.
Elle croit que ce qui t'intéresse, c'est connaître tous les problèmes de la famille. Tu n'as même pas encore mis ton sac. Ah, c'est encore grave. Hein? La tante a appelé ici que... Oh, oh. Elle te ramène les choses, les histoires, les histoires, les histoires. En fait, pour elle, elle croit que le fait de te donner l'information, elle est en train de bien faire. Pour elle, c'est pas... Mais... Ce n'est pas ton besoin dans l'immédiat. Oui, ce n'est pas mon besoin dans l'immédiat. Le côté maternel voudrait que tu te mettes un pas à ma place. Que, en tant qu'une maman, que tu te dises que ce gars... Moi, j'ai eu, je ne vais pas un exemple, j'ai eu une amie. Je faisais souvent une... Là, je reviens au troisième critère que j'aime, qui est la soumission, bon, le respect. Je dis soumission, on va dire que je veux seulement qu'elle se couche. Mais vraiment le respect. J'ai eu une fille avec qui j'ai eu une relation... Je fais une bêtise, je suis conscient, elle me prend main dans le sac, je dis que je n'ai pas fait. Et je me crois à gronder, tu veux me montrer quoi Elle se calme. Quand elle sent que je suis dans une position où non, là, je suis bien calme, elle me dit, mais tu sais quand même que tout à l'heure, j'ai laissé parce que je ne voulais pas qu'on ait le problème, non. Mais tu sais quand même que ce que j'ai dit là, tu as fait, non. Je dis que un homme, chaque homme a une conscience. Ma conscience me juge en ce moment, mais je suis obligé de dire que... Même si tu es de mauvaise foi, comment quand tu as un problème, donc, j'aime les femmes soumises, les femmes... qui ont de la personnalité, le caractère. Et j'aime aussi les femmes maternelles parce que ça permet, tu es sûr même que tes enfants, quand tu laisses tes enfants, voilà, c'est une maman. Tu peux avoir un frère à la maison, une mère à la maison sans avoir peur que ta mère vienne à la maison et tout. Donc, on a besoin de tout ça. Ça me permet de rebondir, Blaise. Quel reproche tu fais aux femmes d'aujourd'hui? Bien qu'on arrête d'écrire un peu ce qu'il attend des femmes. Quel reproche tu fais aux femmes d'aujourd'hui? Est-ce que tu les retrouves dans ce qu'il a dit? Est-ce que la femme a la patience de se dire, bon, ok, c'est pas le bon moment de lui parler, attendons. Quel reproche tu fais? Bon, moi, ce que je veux dire, c'est que ça dépend de quelle femme avec qui vous êtes, parce que, bon, celle avec qui je suis, je ne sais pas si je veux prendre l'exemple sur elle ou l'exemple sur toutes les autres femmes. Tu as eu beaucoup d'aventures. Attends, quand tu parles des aventures, les aventures, elles ne vivaient pas avec moi. Voilà, c'est différent. C'est ça. J'ai eu un mariage avant ce mariage. J'étais marié pendant 9 ans. Peut-être, je ne sais pas, j'ai commencé en 2014. Ouais, j'étais de ma fille de mon premier mariage à 16 ans aujourd'hui, elle fait terminale. Donc, peut-être j'ai eu la chance de tomber sur les femmes qui sont soumises. Voilà. Et l'instinct maternel qu'il a dit tout à l'heure, moi aussi, je n'ai pas grandi à ma mère. Voilà. Je n'ai pas connu l'amour maternel, tout ça. Donc, et moi, j'ai remarqué que tous ceux qui n'ont pas grandi avec leur maman sont à la recherche de cet amour, l'amour maternel. Et ils sont un peu impulsifs. Ils sont un peu impulsifs parce que je me suis retrouvé un jour où c'était un pasteur qui disait à ma femme que il faut savoir comment le manager parce que comme il n'a pas grandi à sa mère, il ne sait pas comment prendre la femme. Depuis ce jour, c'est calé dans ma tête. J'ai cherché à m'améliorer. Bon, maintenant, je reviens à la question que vous avez posée tout à l'heure. C'était vrai, okay. Moi, j'ai trouvé que c'était vrai. Okay. C'était vrai parce que il y a certaines choses qu'on fait sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas eu cet amour-là. Avec sa maman. Parce que personne, bon, peut-être vous n'avez pas grandi avec votre maman, mais peut-être vous avez grandi avec une femme qui vous a pris comme votre fils. Moi, je n'ai pas grandi à maman, j'ai grandi où il n'y avait personne qui me prenait comme son fils. Donc vous avez besoin d'affection. J'ai besoin d'affection. D'attention. J'ai grandi comme ça, donc j'ai fait un an ici, j'ai fait 2 ans, j'étais oncle, après pas fait un an chez l'autre. Donc il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que non, c'est moi qui ai les plus blessés. Oui. Je le dis toujours et aujourd'hui, même celui qui me rapproche de ma famille, des femmes surtout, que ce soit des femmes de toute ma famille, c'est mon épouse. Voilà, parce qu'elle essaie aujourd'hui de créer cet amour-là, parce que je ne connais pas cet amour. Il n'y a pas, une relation intime entre cette personne et moi. Voilà. Je n'ai pas grandi à ma mère, c'était pas par sa volonté. Bon, le problème des femmes, où il y a eu divorce, la famille du père prend l'enfant. Après, on t'interdit, mais on te cache même qui est ta maman, tout ça. Donc, j'ai appris à aimer ma mère. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime ma mère. Bon, mais je sens quand je reste moi mes frères, je sens quand même la différence entre moi et mes frères. L'amour qu'il y a. Voilà, ils sont plus proches de ma mère parce que. Voilà, alors qu'avec moi, c'est différent. Et vous avez déposé cet amour sur votre femme? Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Le pasteur, là, je peux dire qu'il m'avait guéri.
Parce qu'après ça, à chaque fois que je pose, il y a certains ans, quand je pose, je me pose la question, est-ce que c'est normal? Et quand ma femme me reproche par moment, je réfléchis, après je constate qu'elle a raison. J'essaie de ne plus faire ce genre d'erreur à l'avenir. Voilà. Donc, pour dire que... la femme d'aujourd'hui. Quand une femme est attentionnée, elle gagne beaucoup. Quand une femme est à l'instinct maternel, elle gagne beaucoup. Donc, c'est, moi, je peux plutôt résumer en disant que les femmes d'aujourd'hui devaient plutôt être plus attentionnées envers leur homme. Mm-hmm. Plus patientes aussi, peut-être. Plus patientes, oui. Ouais. Attentionnées et patientes. Christian, quand je dis femme, je veux un adjectif. Femme. Adjectif. Colle un adjectif à femme aujourd'hui. Pour la glorifier ou bien pour... un adjectif. N'importe lequel, n'importe dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens. Déesse. Femme. Défiance. Femme, Blaise. Ouais, Seigneur. Le cas, c'est pour le messie. Non, mais la femme est une fleur. Merci. Donc, c'est seulement Blakoya qui dit que méfiance. Mais avant ça, je vais régler ton problème, Blakoya. Mais alors, tu peux me demander pourquoi méfiance, par exemple. Pourquoi méfiance, voilà. Merci. Une petite pourquoi question méfiance? Pour ça, tu me poses pas. Tu me condamnes. Mais dans un tribunal, le juge n'a pas le temps et te condamne. Pourquoi méfiance, Blakoya? Non, la méfiance ne veut pas dire que je ne magnifie pas la femme. Mm-hmm. Moi, il n'y a pas quelqu'un que j'aime sur cette terre que ma mère. Il n'y a pas. Et ma famille sait que ma mère, si tu... Ça veut dire que c'est mon carrefour, c'est tout. Et si j'aime ma mère, ça veut dire que j'aime les femmes, mes grandes sœurs et tout le monde pareillement. Mm. Non, la méfiance, parce que les femmes ne nous ont pas toujours donné l'impression qu'on valait grandes choses sans... Sans argent. Sans matériel. Oui, sans matériel. C'est-à-dire que... Les femmes ne nous ont pas... En fait, pour moi, hein, peut-être que c'est ma frustration personnelle que je peux ramener sur les autres hommes alors que ça ne les concerne pas. Mais moi, j'estime que beaucoup de femmes, surtout nous qui avons grandi dans des familles où on mangeait les repas mort subites. Le repas mort subit, par exemple, je t'explique rapidement. Quand on te fait deux boîtes de riz avec le piment de 800, tu vois, on te met un litre d'eau et demi, on te met un peu le riz comme ça, mais le piment te rassasie. Tu vois un peu. Alors nous qui avons grandi dans ces conditions-là, la fille ne t'accorde pas l'importance. Si tu n'as pas un certain équilibre. J'ai aussi vécu des situations où un tonton qui était chauffeur camion a perdu sa jambe et la femme a décidé de partir en disant, a transporté le tonton, l'a déposé dans la famille en disant que j'ai fait ma part, je ne peux plus. Mais pourtant, il y a eu 20 ans de vie magnifique. Alors, ça c'est parce qu'il ne peut plus payer les factures. Pourtant, elle était encore en capacité de pouvoir se battre. J'ai vu un oncle, par exemple, qui a demandé, quand j'ai un oncle, pas un oncle direct, hein, il faut pas, qui a demandé, par exemple, qu'il demande la nourriture pour prendre ses comprimés. On lui dit que, quand tu vois les assiettes sales là, parce qu'il ne travaille plus en fait, il est en retraite, il n'est plus en capacité de financer. Donc tout ça me fait à chaque fois me poser la question. Est-ce que même quand elle t'offre tout l'amour et que tu l'appelles ta reine, tu ne devrais pas faire attention? Oh. Tu ne vas pas te méfier un peu de ne pas. Peut-être c'est parce que tu es au niveau de la zone verte que tu l'appelles le déesse, ça marche, c'est beau, c'est élégant. Mais tu penses que si tu atteins la zone rouge, elle change aussi. Est-ce qu'en atteignant la zone rouge, elle va t'offrir. Les hommes aussi ont fait ça aux femmes, hein, quand je dis ça, vice versa. Oui. Mais moi, je suis dans la jeune, non, mais je suis pas une femme. Donc je parle. Je me dit, c'est vrai, ça dépend aussi des femmes. J'ai aussi vu les femmes qui ont supporté. Les hommes dans les situations pareilles, c'est-à-dire que il perd son emploi, il perd tout. Maintenant, c'est plutôt la femme qui soutient, qui fait tout. En fait, donc il ne cherche même pas à regarder à côté, qui devient l'homme dans la maison. Pour dire que les femmes sont. Donc une qui va être comme ça, même si tu lui donnes, je suis sûr que même quand le gars a les moyens, il lui manque aussi de respect. C'est pas seulement quand elle a perdu. Oui, mais pourquoi tu fais la vengeance quand ça avance? C'est peut-être pas. Non, la femme aime se venger quand tu es en faiblesse. Mais c'est dans. J'aurais dit que méfiance. Ça, oui. La méfiance, il faut que les gens interprètent ma méfiance. Même quand tu es en position de faiblesse. Il faut que les gens interprètent très bien ma méfiance. Ça veut dire que même le comportement que tu as vis-à-vis de ta femme quand tu t'en sors, il faut te méfier parce que ce comportement peut se retourner contre mais toi. Mais est-ce que la méfiance ne dilue pas alors un peu l'amour que tu lui portes? Parce que si tu aimes quelqu'un en étant méfiant, est-ce que ça ne dilue pas
L'amour. Non, on a parlé de la femme globalement. Hein. C'est pourquoi j'ai pas de méfiance. Pas spécialement oui, de la vôtre. Oui, moi je vis toujours en me disant que je n'ai pas peur. Moi, je fais pas partie des hommes qui ont peur de demain. Donc, je vis toujours en me disant que de toute façon, c'est quand j'ai fini de faire ce que je trouve essentiel, le reste c'est Dieu qui décide. Hein. Mmh. On n'est jamais trop fort pour éviter un choc ou trop intelligent pour éviter un choc. Donc. Christian, parmi les multiples reproches que les femmes vous font, elles vous font celui de l'immaturité. Penses-tu que les hommes manquent de maturité? Enfin, que vous manquez de maturité? Je parle de vous, je parle de toi, je parle des hommes. On dit souvent que quand une femme commence à te traiter d'immature, c'est qu'elle semble avoir trouvé quelqu'un qui allait mature. N'allons pas sur cette hypothèse-là. Ça a souvent été prouvé. Tu poses la question, tu vas encore bloquer. Ça a souvent... Laisse. Tu nous as dit que c'est nous, maintenant on parle. Ça a souvent été prouvé parce que je ne comprends pas pourquoi une femme va traiter un homme de mature après avoir passé du temps avec lui, en réalité. Parce que si on veut se rendre compte qu'un homme est immature... discutant avec lui, il a pris un exemple tout à l'heure, moi, et qu'il a rompu les il n'a même pas commencé une relation après le premier rendez-vous. Ça m'est arrivé aussi parce que je me rends compte que quelque part, il n'y a peut-être pas de la substance dans ce qu'on dit. Oui. Les idées, il n'y en a pas vraiment, c'est pas suffisamment élevé, tu comprends un peu. Il n'y a pas la suite dans les idées aussi. Tu comprends qu'elle ne voit pas l'avenir comme une femme. Elle est encore peut-être jeune, tu vois. Et pourtant, toi, en ce moment où tu es assis là, tu recherches quelqu'un qui va te pousser vers le haut. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai parlé de DS tout à l'heure, parce que je suis de ceux qui pensent que la femme peut te mettre où elle veut. Et aussi en bas, hein, quand il parlait de méfiance tout à l'heure, c'est vice-versa. Elle peut te mettre où elle veut. Donc, si on ne retrouve pas ça dans une conversation avec une femme, ça ne vaut absolument pas la peine de continuer avec elle. Et donc, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'elle ne peut pas te traiter d'immature des mois après. C'est parce qu'elle a trouvé autre chose. Quelqu'un l'aurait peut-être embrouillé. Et puis voilà, un matin, on va venir te dire que franchement, on ne comprend absolument rien. Ton esprit là est assez petit. Et tout, mais à quel moment on parle d'esprit? C'est venu d'où le sujet où on parle d'esprit? C'est parce qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et donc, une femme traite un homme d'immature, je pense que c'est elle qui n'a peut-être pas compris ce qu'elle veut. En réalité, elle n'a pas compris ce qu'elle veut. Parce que même si un homme est immature, tu ne lui dis pas qu'il est immature. Pour commencer, on parlait de respect tout à l'heure. Tu ne dis pas qu'il est immature. Elle est capable, si elle a été déposée au carrefour, un jour te raconter ta vie comme ça là, te lyncher verbalement et après tu t'en vas avec toute la honte. Une femme qui se rend compte que mon mari est immature ou mon gars est immature, elle ne le dit pas aux gens. Elle travaille à le... Même à lui, elle ne lui dit pas. Mais elle trouve quand même des trucs à faire, des astuces pour qu'il essaie de rentrer un peu dans ce qu'elle recherche. Parce que tout qu'on fait, on peut mouler la personne, on peut pas venir à avoir la personne qu'on recherche. Quand il veut, hein. Oui, mais il voudra toujours, parce que les femmes, ça sait vous faire avaler quelque chose quand elle veut, hein, en réalité. Donc, on a souvent l'impression là que non, c'est nous qui tirons les ficelles, mais c'est parce qu'elles veulent. Sinon, elles étirent ces ficelles-là. Donc, qu'une femme aujourd'hui commence à nous trouver d'immature, moi j'en ris souvent en réalité, je dis, ok, allons-y. Non, l'immature, c'est elle. Parce que si c'est 5 ans après qu'elle trouve que tu es immature... C'est elle l'immature. Bien sûr, parce que si elle était mature, elle devait savoir dès le départ que tu étais immature. Messieurs, on va parler de sexe. Parce que c'est le fondamental. C'est important. Vous n'allez pas me dédire. Oui, pourquoi? On va parler de sexe. Pourquoi c'est... Selon vous, je vais commencer par Blaise. Oui. Qui de la femme ou de l'homme est plus attaché au sexe? Parce que les femmes disent souvent que quand ils me voient, ils veulent seulement... Il veut seulement question piège. Bon, parle pour toi, hein. Plus attaché au sexe, au départ c'est l'homme, mais après le mariage c'est la femme qui désire plus l'homme. La deux aventures, donc il sait de quoi il parle. Non, il n'y a pas deux aventures. Des expériences. Au départ, avant de se marier, on se marie. C'est que tu parles là comme un consultant. Donc, donc au départ c'est l'homme, mais après dans le mariage c'est la femme. Oui. Voilà. Donc il y a ta vie aussi. Moi, pour l'expérience que j'ai, c'est pourquoi je vous ai dit que lui parle comme... Je parle de moi. Oui, moi, sûr, parce que moi, c'est la femme qui fait plus de sexe. Donc je ne vais pas généraliser parce que je ne connais pas... Je ne suis pas dans les chambres des gens là. Oui, oui. Mais on parle justement de toi. Il y a des hommes qui peuvent se retrouver dans ce que tu dis. Oui, mais pour être honnête, ce qui, je vous dis que là, il parle d'abord en tant que consultant. Parce que quand tu as eu l'expérience que tu as en termes de mariage, il peut le dire, mais pour être honnête, c'est moi, hein. C'est moi. Oui, c'est moi. Peut-être que plus tard, peut-être que quand je vais avoir l'âge de Blaise,
ça va changer. Mmh. Mais je présume que jusqu'à présent, pour l'aventure que j'ai, c'est moi. Et je me plains même quand je sens que tu ne demandes pas. Et justement, je viens là-dessus. Tu ne demandes pas, ça veut dire que c'est moi, je suis ce manga qui a trop l'appétit. Quand tu veux, quand tu veux d'elle et qu'elle te dit peut-être je suis fatiguée, comment tu réagis? Fatiguée. Ou bien qu'elle n'en a pas envie. Tu n'en as pas envie, c'est que c'est à la guerre que tu cherches. Dis à moi que tu trouves une raison comme tu as dit que fatiguée là. Ok, tu es fatiguée, on supporte, non? Mais il ne faut pas que la fatigue dure trop. Parce qu'une femme qui te dit que je suis fatiguée aujourd'hui, demande, je suis fatiguée. Bon, là, je crois que tu as vers le divorce. Ou bien, il y a un truc qui m'indique que trouve un endroit où souvent, quand je suis fatiguée. Parce qu'il faut que les femmes, moi par exemple, je bosse. Déjà, je me lève à 4 heures. Je prends mon émission, j'ai mes tournages, je rentre à la maison. T'as dit que c'est rien, c'est 23 heures ou minuit. Tous les jours? Presque tous les jours. Presque tous les jours, on a 2 heures pour me réveiller à 4 heures. Ce qui fait que, quand je ne bosse pas, quand moi je dis que je veux, en dehors de la saison pluvieuse, ça me pose un problème. Moi, personnellement, ça me pose un problème. J'estime que, tu dois comprendre que la situation n'est pas déjà la situation que tu peux renvoyer à... Mais après, c'est des êtres humains. Après, c'est des êtres humains. Si une femme te dit qu'elle ne peut pas, ou elle te dit qu'elle ne se sent pas bien, tu ne vas pas faire comme si. De toutes les façons, si elle entre dans un mauvais jeu, tu le sauras. Si ta femme qui te désirait ne te désire plus, tu le sauras. Mais si c'est que c'est vraiment parce qu'elle est fatiguée, tu le sauras aussi. Moi, je connais aussi les femmes qui, même fatiguées, savent que non. Mon homme n'est pas souvent, il n'a pas le temps pour ça. Comme il veut vraiment pour ça. Moi, ce n'est même pas le fait de demander à mon refuge qui me pose un problème. C'est le fait qu'on ne me dise jamais qu'on a envie de moi. Oui, ça pose problème. Même comme je dis que je ne suis pas trop. Que chez moi, c'est la femme qui aime plus que. Et quand on reste. Si elle reste à faire 2 jours, 3 jours, il y a un problème. Oui. Il faut qu'elle te demande avant que tu dises que tu es fatigué. Oui. Il y a un problème. Christian, ouais. est-ce que vous pensez. Moi, c'est la femme qui parle maintenant. Je ne suis pas supposée être la femme sur ce plateau. Je suis supposée être un homme comme vous. Mais je reste la femme. Est-ce que vous pensez, vous les hommes, que vous nous comblez sexuellement? Je pose la question. Parce que Blaise dit, l'amour, le sexe n'est pas dans le lit. Le sexe, c'est toute la journée. Je veux dire que pour nous les femmes, c'est la femme qui parle. Vous avez intérêt à écouter ce que je vous dis. Ce n'est pas quand tu rentres à 23 heures que... Moi, j'ai envie de toi, que tu dois préparer l'acte. L'acte, tu le prépares depuis la journée. Tu me mets dans la condition de savoir que le soir, quand tu rentres, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que vous pensez que vous arrivez à nous combler sexuellement? Merci pour l'astuce. Merci pour le conseil. En passant sur cette question, oui, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que quand elle me pose une question, là, maintenant, si on la comble, c'est qu'à un moment, tu commences à faire le fil de... ta façon de percevoir le rapport sexuel avec ta femme, si à la fin, si tu l'as comblé ou pas. Ça m'a ramené sur beaucoup de mes journées qui ont fini peut-être avec le sexe, si je les ai commencées comme ça, et je comprends que vous aimez ça. Oui, mais nous les hommes, si on se dit qu'on vous comble et qu'on le pense tout le temps, c'est être prétentieux. Mais la vérité, c'est que les hommes ne le pensent pas souvent. Les gens ne le pensent pas souvent parce que les hommes se disent, nous on se dit toujours, on est fort. Oui. Et parce qu'on dit qu'on est fort, qu'on sait qu'on aura le résultat est positif, peu importe. Si on a eu la réponse à la question, si c'est positif ou pas, si on l'a posé après. Ouais, donc psychologiquement, on sait que ça va doser. Ouais, un petit peu. Mais sinon... C'est un peu la compétition. C'est un peu la lutte. Ce n'est pas la lutte, mais on sait. Là, nous sommes derrière là pour ça. On le fait et puis voilà, on quitte dessus, on se dit c'est bon. Du moins, on ne se plaint pas. Si on ne se plaint pas, parce que généralement, les femmes ne se plaignent pas beaucoup de oui, je n'ai pas été satisfait. Sauf quand il y a des problèmes. C'est peut-être pour ne pas vous bousculer. Hein. Peut-être ne pas vous bousculer. Mais une femme qui est comblée. Quand une femme est comblée, on ne parle plus d'insoumission ni de manque de respect. Hein. Non. On n'entend même plus les hommes parlent, tu parles. C'est pourquoi je demande.
Oui, parce que les femmes, quand elles commencent, quand elles ont pas, tu parles, c'est que... Après tu me poses la question, Attends, quand une femme est comblée sexuellement, elle est soumise. Généralement. Non, pas forcément. Non, je veux dire... Voilà. Je veux dire... Attends. Je veux dire... C'est une femme qui parle. Je veux dire... Non, c'est un homme qui parle. L'insoumission, elle a des degrés. Il y a des femmes, quand sexuellement, elle est comblée, même si elle manque de respect, elle sent quand même que le gars, si... Il répond à quelque chose. La soumission, c'est l'éducation. Hein. Je suis d'accord. Mais à côté de l'éducation... Le sexe naturel, ça n'a rien à voir. Non. Je... Bon. Ben c'est... Voilà, il faut l'écouter. Non. Moi, je dis encore, il faut qu'on fasse attention parce qu'il y a des choses... J'ai dit tout à l'heure qu'elles ne nous disent pas. Oui, et c'est pour ça que vous êtes là. C'est très important. Elles ne nous disent pas. Et ça semble être important pour elles qu'elles soient comblées. Blakoya. Et qu'on les comble. Est-ce que tu penses que, oui, sexuellement... Tu combles, puisque tu es en couple, est-ce que tu combles ta compagne sexuellement? Bon, tu sais qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans cette affaire-là. Hein? Il y a beaucoup de mensonges, de contre-vérités. Oui, souvent même elle te dit que waouh, tu es magnifique. Mais c'est parce qu'elle ne veut pas casser ton moral. Ouais. Oui, c'est pas nécessairement parce que tu as fait quelque chose de trop fort. Hein? C'est même le jour où au fond de toi, tu dis que... Ton magnifique là, c'est écrit comment? C'est comme magnifique, comme je connais. Ou bien, ce que je viens de faire là, que je suis passé, on dirait un truc qui est passé. Tu dis que... C'est... Non. Moi, j'ai dit que les femmes... Parce qu'il y a des femmes ici, Dieu aussi, sans mentir, qui savent manager. Elle peut te dire que je suis ça, je suis comblé, alors que tu n'es pas comblé, parce qu'elle sait que ça va t'aider à te sentir. Il y a aussi des femmes qui ont un appétit. Oh, mais non, il faut qu'elle change. Certaines filles doivent changer. Comme quand tu as l'appétit, tu utilises des techniques. Toi, une fille, tu dis, viens, tu es là, viens encore, je pars, ou je suis là, viens. Tu vois, mais tu as l'impression qu'elle veut seulement te tuer. Tu vois un peu, elle sent que le monsieur ici, là, il est à son niveau, c'est bon. Et c'est pourquoi, c'est là où je dis que, même la maturité dans le mariage, les femmes doivent apprendre à avoir. Parce que si tu sens qu'un gars, c'est son niveau là-bas, vraiment la façon qu'il n'insiste ne peut pas, n'insiste pas. Parce que quand tu lui dis, ouais, bé, tu es fatigué, je voulais encore. je voulais encore là. L'homme qui se sent lion, il ne peut pas accepter ça. Mais c'est comme ça que tu entends après que son souffle s'est coupé. C'est un truc. Parce qu'il voulait satisfaire, tu vois un peu, les envies de quelqu'un qui n'a pas tenu compte de lui. Moi, que tu vois devant toi, là, je ne fais pas la lutte. J'avais choisi une autre chose. C'est-à-dire que quand, à un moment donné, je sens que ça ne respire même plus bien, je te dis que, bon, là, on fait une pause ou tu acceptes le petit peu. Le petit peu là qui n'est pas peu. Ouais, parce que c'est avec beaucoup d'efforts. Non, mais c'est très hypocrite, en réalité. Oui. C'est très hypocrite de le dire, parce que autant mieux le laisser comme ça. Je vous promets, si tu aimes ton homme, laisse-le comme ça. C'est pourquoi je dis qu'elles ne le disent pas beaucoup. Et je dis qu'elles ne le disent pas beaucoup parce que c'est généralement ce que j'ai reçu. Moi, j'aime ça, tu vois. On peut en parler, mais dans d'autres conditions, sous une autre forme, même d'ailleurs. Là, je dis sous une autre forme, c'est qu'à un moment, on peut être assis comme ça au restaurant. Tu dis un peu ce que tu aimerais avoir, tu vois un peu. Sachant même qu'on est même déjà passé par là, tu n'as même pas eu. Tu es en train de réclamer quelque chose que tu n'as peut-être pas eu hier ou avant-hier et tout, mais tu parles de quelque chose pour que dans sa tête, lui en venant au moins passe par là, un peu comme tout à l'heure, tu disais que voilà, ça se prépare, dès 10 heures, tu commences à lui écrire que, mais écoute, en sortant ce matin, c'est seulement parce que j'étais en retard, sinon je serais resté. On la met à condition. Vois, de toute façon, je t'ai trouvé hier. Tu vois, amener jusqu'au soir, mais il faut qu'elle soit capable de t'amener à le faire aussi. Déterminer à comprendre que ça se fait aussi comme ça. Parce que, en réalité, nous les hommes, pour le dire, quand on a envie, on a envie. Et on a envie que ça se termine. Et que ça se fasse bien comme on a senti notre corps. Tu vois, on est un peu égoïste souvent aussi. Ouais, parce qu'on ne cherche pas à savoir si elle a, excusez l'expression, pris son pied, comme on le dit souvent. Mais de temps en temps. Mais de temps en temps, mais c'est en minorité. Mais souvent, il faut en parler. Il y a certains hommes qui se gênent trop les ennuis. Tu as fini, on ne t'a même rien dit. La personne d'un même tout a dit que merde,
Tu as aimé. Comme je suis trop fatigué, c'est ça. Tu comprends, te justifier. Que, non, c'est que comme je me lève tôt, ces derniers temps, comme je ne dors pas beaucoup. Moi, ce que je n'ai pas ajouté, c'est qu'une femme amoureuse amène son homme à la combler. Oui. Oui. Une femme amoureuse, une femme vraiment amoureuse amène son homme à la combler sexuellement. Monsieur, je vais me permettre un conseil. Je vais me permettre un conseil parce que c'est moi la femme ici. C'est que amenez vos femmes aussi à parler de sexe. Il y a beaucoup de femmes qui... La réelle hypocrisie de la femme réside dans ce sujet-là. Beaucoup n'en parlent pas. Beaucoup se contentent de ce que vous leur donnez, mais elles ne sont pas comblées, elles ne le disent pas. Donc, amenez-les à en parler souvent. Parlez-en comme vous parlez de projets et autres. Ah. Il faut en parler. Un peu, elles vont se lâcher. Sinon, elles resteront toujours dans le peu que vous leur donnez. Le jour où elles trouvent quelqu'un qui le fait mieux... Ah. Sa tête disjoncte. Mais comment elle arrive? Moi, je crois aussi qu'elle se doit quand même. Elle marche en route, non. Un gars va lui dire que tu es belle et puis ça, c'est possible. Femme mariée. Non, enfin, je ne parle pas forcément. Même en couple. Moi, je crois aussi qu'elle. Elle est en couple. Moi, je crois aussi que. Couple, c'est marié au Cameroun. Moi, je crois aussi qu'avant de se mettre avec une femme, regarde d'abord si c'est les gens que tu arrives à satisfaire. Bien sûr. Parce qu'il y a des hommes. Oui. Il faut connaître tes problèmes. Il faut connaître si c'est ton niveau. Parce que, oui, si ce n'est pas ton niveau, ne t'engage même pas. C'est-à-dire que même si elle te plaît comment, tu sens que là-bas, là, tu n'atteins pas le truc. Mais parce que c'est le truc-là qui est, quoi qu'on dise. C'est là, je dis souvent aux filles que, ma chérie, quand tu me dis que pourquoi tu es trop pressé pour aller au sexe, si je fais 5 ans de relation avec toi, on arrive pour le sexe, le jour où tu me verras, tu ne diras jamais c'était mon ex, tu diras j'ai flirté avec lui. Mais si aujourd'hui on se rencontre, on fait le lendemain, tu vas dire, ça c'est mon ex, hein? Parce que le rapport sexuel conditionne le sérieux de la relation. Je sais que c'est important dans la relation. On va parler maintenant de fidélité, si vous permettez, messieurs. C'est l'un des reproches également que les femmes vous font, l'infidélité. Dites-moi. Vous nous accusez beaucoup. Blaise. On demande à Blaise. Voilà. Pourquoi les hommes, vous avez une belle femme, elle est intelligente, elle est entreprenante, vous avez déjà fait le test de l'enfant et fait de jolis enfants, pourquoi vous trouvez toujours le moyen? Enfin, je ne dis pas vous, je dis oui, les hommes. Pourquoi vous trouvez toujours le moyen d'aller voir ailleurs? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu à quoi est juste là? Christian, moi, mais papa, toi. Bon, moi, en tant que un homme marié fidèle, je précise. C'est tout à votre honneur aussi. Un homme marié fidèle. Que Dieu te bénisse. Mais avant ça, j'étais aussi infidèle. Donc, je dis souvent que l'homme trompe avec le corps et non avec le cœur. C'est pas une belle excuse, ça? Oui, l'homme trompe avec le corps et non avec le cœur. Un homme peut adorer sa femme. Je dis bien prêt à mourir même pour sa femme, mais ça l'empêche d'avoir quelques, de temps en temps, des petites relations dehors. Et il y a aussi un langage que les Camerounais aiment bien employer, je sais pas si c'est les Camerounais ou c'est dans toute l'Afrique, que c'est le dehors qui arrange le dedans, dans certains foyers. Voilà. Tu veux t'assortir. Donc quand il n'a pas eu une relation, une quelconque relation avec dehors, à la maison, il est toujours stressé, il n'est pas bien. Voilà. Et quand, même pas, c'est quand il vient de dehors étant content, mais à la maison, il est content. Bon, ça, c'est pas pour justifier l'infidélité des hommes, mais je condamne l'infidélité en général, que ce soit homme ou femme. Mais on ne peut pas changer l'être humain. Christian, j'aimerais avoir ton avis dessus. J'ai une question avant. Est-ce que l'infidélité, ici, on parle là, est considérée comme l'art d'aller avoir une relation sexuelle avec une autre personne que ça? Bah, donc, laisse les communications. Je pose ma question, oui. Je la repose. Mm-hmm. Pourquoi les hommes, ayant une belle femme, intelligente, entreprenante, tout ce que vous voulez, faisant même des enfants, parce qu'après, il va dire, il ne fait pas d'enfants. Trouve le moyen d'en avoir une à côté. Bah, trouver le moyen. C'est comme si il est resté, il a planifié ça. Quand voilà. Tu dis, trouve le moyen. En réalité, c'est comme s'il est resté, il a planifié ça. Christian, je vais répondre. Je ne sais pas si vous attendez une réponse particulière. Bah, non, pas du tout. Mais moi, je vais répondre. Oui. Il y a des facteurs qui font qu'un homme se retrouve avec une femme, même pour un soir. Oui. Même pour un soir. Si après c'est considéré comme de l'infidélité, ok. Mais. C'est pas de l'infidélité, c'est quoi alors? Non, j'ai dit ok. Non, mais t'es là, tu as débloqué le téléphone.
Quand je parle ici d'infidélité en réalité, j'ai parlé de facteurs tout à l'heure. Et c'est très important à comprendre. Il faut que les femmes le comprennent. Hein? Elles sont très à même de vous dire tout de suite que tu as été infidèle et que le lendemain, elles portent ses affaires. Pas. Il peut s'être passé quelque chose qui vous amène à vous retrouver sur le lit d'une autre un soir et qu'elle le découvre. Tu ne sais pas comment. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez être dans votre moment de faiblesse. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes faibles. Ça peut arriver qu'on soit dans notre moment de faiblesse. Je dis même pour une raison ou une autre. Ça peut être dans le couple, ça peut être, je ne sais pas, même au travail ou je ne sais pas trop ce qu'on aura rencontré. On tous dans nos moments de faiblesse et on peut se retrouver à déraper. Mais après, ça ne fait pas forcément de nous, pour moi, quelqu'un qu'il faut tuer et traiter d'infidèle du jour au lendemain. Renversons la situation. Parce que la fidélité pour moi, je vais l'expliquer, la fidélité pour moi, au-delà d'avoir une relation avec une autre dehors, c'est que je considère que c'est toi. Il pourrait avoir 100, mais que ce sera toi et essentiellement toi, sans toutefois te comparer à quelqu'un d'autre. Allez, sans toutefois te mettre sur la balance, sans toutefois commencer à chercher Christian, pourquoi toi et pas une autre. Je t'arrête. Je renverse la situation. Oui. Considère que c'est la femme qui a été infidèle. Est-ce que ton discours sera le même? Non. Mon discours ne peut pas être le même. Non, mais... je te promets, mon discours ne peut pas être le même. Tu vas arrêter le débat. Hein. On a commencé mon discours ne peut absolument pas être le même. Oui, mais parce que tu trouves le moyen de relativiser l'infidélité de l'homme. Je voudrais savoir, est-ce que si on renverse la situation, ce sera pareil ton raisonnement? Non, ce ne sera pas pareil. Pourquoi? La vérité, ce ne sera pas pareil parce que... Moi, je vais d'abord renverser. Comme j'ai dit, l'homme trompe avec le corps, mais la femme trompe avec le cœur. Si la femme te trompe, c'est qu'elle n'est plus... De plus en plus, c'est la femme qui vous parle. Elle trompe aussi avec le corps. Je vais même emprunter. Je vais même emprunter. Si la situation, je ne vais pas l'accepter justement parce qu'elle aurait ressenti l'envie d'aller là-bas. Elle aurait choisi hein, son cœur là, de partir. Donc, c'est pour qu'une femme. Il veut dire que les circonstances, parce qu'il a dit que ça peut être circonstanciel. Oui. Donc, pour la femme, il n'y a pas de circonstances. C'est ce qu'il veut dire. Je peux, si tu me donnes la parole, je te la donne. Considérez-moi comme un scientifique sur ce sujet. prenez-moi à la juste hauteur que je mérite. Allons-y, Blakoya. Première des choses, l'infidélité n'existe pas. OK. Sinon, la polygamie. N'hésiterai pas, ça c'est moi. L'infidélité n'existe pas. Si pour toi l'infidélité c'est le fait d'être parti avec une femme dont tu t'es pas engagé, oui. Si l'infidélité, elle a dit que quand tu as une femme, tu trouves le moyen d'avoir une autre. Ça veut dire que même quand tu prends une deuxième, puisque est-ce qu'on peut être fidèle à deux femmes? Si on peut être fidèle à deux femmes, ça veut dire que l'infidélité n'existe pas. Quand tu parles déjà répondu, c'est mieux que non. Elle ne répond même pas. Les gens vont répondre. Christian Omi, c'est moi qui pose des questions. Les femmes sur ce sujet. Christian Omi, c'est moi qui pose des questions. Il faut que les gens comprennent une chose. L'infidélité, pour ma part, ça n'existe pas. Parce que quand un homme, il fait 5 critères pour la femme qu'il veut avoir dans sa vie. Il rencontre une femme qui a 3 critères. Parce qu'on ne se rend jamais. Quand tu as beaucoup de chance, la femme a 3. 3 sur 5. 4, c'est pas possible. 3 sur 5. Il y a deux autres critères. Les deux autres critères-là, il te faut au moins avoir une deuxième femme. Oui, qui vont combler les deux autres pour que tu sois comblé. C'est pourquoi je suis d'accord avec, par exemple, la religion musulmane, qui autorise à dire que c'est même presque clair là-bas, que tu aies un peu de... Parce que l'histoire où tu dois avoir une femme, chaque jour, tu es tenté, tu es obligé d'aller te cacher pour avoir une autre. Moi, si j'étais présent dans ce pays, c'est que la monogamie n'existe pas. Hein. Oui, et je prends un autre exemple. Quand tu as voulu renverser, pourquoi j'ai dit que je ne veux pas que tu renverses? Je peux mettre enceinte 4 femmes qui accouchent le même jour, mes enfants. Une femme peut-être porter l'enfant de 2 hommes. Même la nature a dessiné que l'homme peut se permettre 2 ou 3 choses que la femme ne peut pas se permettre. Même dans la... Regarde même chez nous, quand un homme fait une infidélité, La mère va dire que ah, même ton père le supporte. Quand ton père était comment, il était pareil. La belle-mère même va dire à la fille que quand je suis une bonne belle-mère, que même tu vois que même ton père était comment. Si ce n'est que ça, c'est que tu ne vas même pas rester là-bas. C'est que moi-même, c'est que tu ne m'as pas trouvé ici. C'est que je suis parti depuis.
Et quand c'est la femme qui fait, on te dit que merde, là, sacrilège, c'est une femme. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que c'est, vous êtes le capital d'un foyer ou d'une famille, quand ça vous intéresse, quand il faut gérer l'argent de l'homme. Vous êtes le capital parce que c'est vous qui portez la chance de la famille. Parce que c'est vous qui portez l'essence. Donc, si je fais, tu fais. Ça veut dire que, comme on dit que tu es allé exposer nos fesses dehors. Moi, quand je sors, l'homme a la capacité d'oublier un rapport sexuel. Vite fait. Par la femme. C'est pourquoi il a dit tout à l'heure que la femme trompe avec le cœur. La femme peut rester 5 ans à attendre un homme. Ouais. L'homme ne peut pas. Je vous dis que l'infidélité, pour moi, les histoires, l'infidélité là, que tu as trompé, que tu es parti avec une autre femme. Mais, les gens parlent pour blaguer que le dehors arrange le dedans. Chère madame, moi, si j'ai une copine que je rencontre plusieurs fois, pour moi, elle est considérée comme ma femme. Ma femme, c'est pas celle que j'ai amenée à la mairie, parce qu'elle peut t'amener à la mairie et je ne respecte rien dans les règles. La majorité des monogames, des polygames, des monogames qui a dehors là ont des enfants dehors. Et ils ont reconnu les enfants. Puisque la loi dit que si tu prends deux témoins, l'enfant est reconnu. Bon, finalement, vous me parlez de quoi? Pour moi, l'infidélité, il faut seulement qu'on essaie de voir au niveau de la République pour dire que la monogamie n'existe plus. Mais si on dit que la monogamie n'existe plus, qu'il faut d'abord épouser. En ce moment, si tu n'épouses pas et tu vas jouer le cache-cache, oui, tu es un homme fidèle. Mais comment, si vous ne pouvez pas m'expliquer qu'un homme ne peut pas, parce qu'on dit qu'on a un seul cœur. Si on me permet d'avoir deux femmes. À quel moment je suis ayant toujours un cœur. Ayant toujours un cœur. Mesdames, j'espère que vous avez compris la position de ces messieurs sur la polygamie. On va faire un tour à la régie et on revient juste après. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur STV, vous suivez Entre Copines. Seulement, Entre Copines, c'est Entre Copains aujourd'hui, avec ces messieurs qui nous racontent les femmes. Nous allons parler de mensonges. Qu'on aime beaucoup. Parce que le mensonge, c'est le poison qui brise beaucoup de couples. J'aimerais avoir la position de ces messieurs sur le mensonge. Alors, les femmes disent que les hommes mentent trop. Alors, Christian Romé, dites-nous, de vous ou de nous? Je veux dire, des hommes ou des femmes, qui a toujours un petit mensonge sur sa langue. Le plus, je veux dire. On peut dire la vérité, hein. Je ne pourrais pas dire que les femmes mentent plus que les hommes. C'est-à-dire que peut-être je côtoie beaucoup les menteuses aussi, ou bien je sais voir qu'elles mentent. Mais je vais parler de nous. On ment, ça nous arrive de mentir. Oui, ça nous arrive de mentir même beaucoup. On ment tout le temps. Vous avez de mentir. Vous mentez pourquoi? Pour vous sortir des situations. Blaise a dit quelque chose. Je reviens à toi tout à l'heure. Il disait on ment pour protéger. Non, j'ai dit on peut mentir pour protéger la personne qu'on aime. Oui. Et c'est vrai. Il y a le mensonge positif, le mensonge négatif. Et si je nous expliquais ces notions de mensonge positif et négatif? Le scientifique, je reviens encore en tant que scientifique. OK. Mensonge positif, pour ma part, c'est que si je sais qu'une situation d'erreur que j'ai dû commettre peut mettre ma femme dans un état difficile à gérer, je peux mentir à ma femme pour la protéger. Mais je peux aussi, le mensonge négatif, c'est quand, je prends un exemple, je vais dire que tu sais très bien que ta femme peut-être va se fâcher le fait que tu as fait un enfant dehors. Et après elle va se remettre. Tu ne lui dis pas. Tu passes le temps à dire non, je n'ai pas d'enfant, non, je n'ai pas d'enfant. Et après, quand tu n'es plus là, par exemple, on sort des enfants. Ces enfants, est-ce que tu as pensé à ces enfants? Parce que s'il faut que les enfants la comptent, ou bien que les frères se mettent ensemble et tout, ce sera difficile parce qu'ils ont grandi en ayant dans la tête qu'ils n'avaient pas de frères qui existaient ailleurs. Pour moi, c'est un mensonge négatif. Mais si c'est que le fait d'avoir fait l'enfant dehors peut nuire à la santé de ma femme, c'est-à-dire que si je lui donne l'information. Oui, en ce moment, je garde l'info en me disant que, bon, vraiment, je ne veux pas la voir mourir. Donc, vous mentez à vos femmes pour les protéger alors? Pour les protéger, pour la peur aussi de les perdre. C'est-à-dire que si un homme, si un homme n'a jamais menti à sa femme, et qu'il dit toujours les vérités à sa femme, ça veut dire qu'il n'a pas peur de perdre sa femme. Ça veut dire qu'il s'en fout même de sa femme. Pas ou pas. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas que
justement, vous pouvez évaluer son amour à la capacité à vous pardonner les erreurs que vous commettez. Oui, oui, oui. Mais donne-le le conseil là. Donne-le le attends, conseil. Attends un peu. Une femme qui te quitte parce que tu l'as menti, ne t'a jamais aimé. C'est ça que je parle. Pourquoi vous choisissez donc de mentir au lieu de dire la vérité et au travers de la vérité, évaluer la capacité qu'elles ont, l'amour qu'elles vous portent. Non, non. Quand on ment déjà, c'est parce qu'on sait qu'on a commis une erreur. Donc, tu imagines quelqu'un qui est dans une posture de quelqu'un, il sait qu'il a commis une erreur. Ça veut dire qu'il est mauvais à ce moment-là. Mais qui voudrait se présenter mauvais? Personne ne voudrait se présenter mauvais à un moment. C'est parce qu'on a même honte de ce qu'on a fait qu'on est obligé de mentir. Tu vois, pour que qu'il y ait ce semblant de paix-là et que ça passe, que ça ne reste pas des histoires où les enfants sont restés par derrière. Par exemple, si ça peut passer, c'est tant mieux. Mais et ça arrive, c'est pour se protéger. Ça arrive protéger plus pour les pauvres. Ce qu'on a. Ça arrive plus le mensonge, là, c'est beaucoup plus pour les pauvres. Hein. Comment ça, pour les pauvres? Bien sûr. Quand il a ses moyens, il te dit que bon, ok, il y a eu une infidélité. Je crois que bon, voilà, hein, on va aller à Milan. On va essayer d'oublier ça. Tu regardes même l'investissement qu'il a fait. Tu dis, merde, là, oh. Je vais sortir ici. Il y a le chauffeur. Ma mère, quand elle veut un truc, on met les sacs de riz qui descendent là-bas. Moi, elle veut partir. Pour qu'il n'y ait pas, ou pour qu'une autre petite fille qui ne connaît pas comment on s'ouvre vient ici manger ça. Elle ne part pas. Mais la femme pense même rien qu'à tout ça, elle reste. Toi, le pauvre, quand tu trompes là, c'est pour utiliser quoi comme argument pour la rétablir? Déjà que c'est un sacrilège de rester chez toi. Elle reste chez toi tous les jours en faisant la prière que. Ah, tout dépend de toi, Seigneur. Tout dépend de toi. Qui sait pourquoi tu m'as envoyé ici, que j'ai viens aussi supporter comme ça. Si c'est ma peine de croire que tu es sur la terre, j'espère qu'elle va mourir, je vais aller une fois au paradis parce que j'ai fait rien, mon enfant ici. Tu viens encore faire l'infidélité. Mais de citer moi tous les. Mais dans les grandes maisons, moi j'ai la chance d'avoir des grands amis, ou bien d'avoir des gens qui sont proches des grandes personnes. Il y a trop de problèmes dans les grandes maisons là, mais elles ne partent pas. Elles ne partent. Il y a des problèmes dans les grandes maisons là, mais elles ne partent pas. Mais Christian, quand tu es à l'abri, c'est ce qui t'a dit que ce qui arrive aux pauvres ne t'arrive jamais. Ce qui, tu as été pauvre, on t'a soupçonné seulement que tu as tué quelqu'un dans la famille. La femme dit que je vais rentrer chez nous pour bien réfléchir, pour comprendre ce qu'on est en train de dire là. Tu es riche, c'est elle qui dit que si tu, ça fait quoi? Elle rentre même, gars. C'est elle-même qui dit que mais on est ensemble, tous contre un, on est ensemble contre eux. Tu vois? Parce que j'estime que les histoires de mensonges qui peuvent peut-être pousser à une catastrophe, c'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui que quoi qu'on dise, Kofi Olomide avait compris, soit riche, parle, soit pauvre, tais-toi. Il avait compris en disant ça. C'est-à-dire que le mensonge, l'impact du mensonge du pauvre ne peut pas être l'impact du mensonge du riche. Et c'est dans un autre sens. Ça s'explique dans un certain sens, mais pour revenir à ta question tout à l'heure, si on peut complètement juger la capacité des femmes à nous aimer à travers le fait qu'elles supportent nos mensonges, mais c'est parce que ses objectifs, elle connaît où elle va. Oui. Elle a mesuré même ce que tu as fait en se disant que bon, c'est banal. Mais ce n'est pas aussi une raison pour nous de le refaire aussi à chaque fois, en réalité, parce qu'il faut vous dire la vérité, nous-mêmes, on dérange. Tu vois? Merci de reconnaître. C'est rien, nous-mêmes, on dérange. Mais on dérange justement pour qu'il y ait l'équilibre. On est obligé de les déranger. Un petit démon qu'on ne maîtrise pas. On est obligé de les déranger. Donc vous n'arrivez pas à enchaîner vos petits démons là. Mais non, ça, c'est parce que c'est nous qui parlons, hein, pour nous, hein, les femmes ont été les plus grosses menteuses de la terre. Seulement que c'est vous qui êtes là aujourd'hui, donc oui, vous parlez pour vous. Mais si on va maintenant à une autre situation qui vous tient à cœur, on va parler de vos téléphones portables, des rapports que vous avez avec vos téléphones portables. Qu'est-ce qui fait que vos téléphones soient des zones interdites pour vos femmes, Blaise? Pourquoi le téléphone, c'est toujours que c'est personnel? Mais c'est les femmes qui ont envoyé questions aussi. Bon, vous me posez toujours la question que je ne suis pas bien placé pour répondre parce que... C'est pourquoi je pose la question si c'est les femmes qui ont envoyé questions. Je suis une femme, bon, quoi. Bon, chez moi, le téléphone n'est pas personnel. J'ai le code de ma femme, là, mon code, depuis qu'on se connaît. Merci. Il y a un demi-dictateur, là, il va me dire ça. Pourquoi ton téléphone Blackoya est une zone interdite pour ta... Je suis quoi dans mon téléphone? Elle ne cherche pas quoi dans son ton téléphone? Son agent de relation, c'est le téléphone. Si c'est le téléphone, je vais faire le transfert. Elle fait quoi dans mon téléphone? Je vous ai expliqué une situation tout à l'heure. Si moi, je peux être polygame, c'est-à-dire que la polygamie est acceptée chez nous, la polyandrie est refusée. Donc mon téléphone peut aussi appartenir peut-être à une autre.
son téléphone, par contre, ne devrait pas appartenir à un autre. Ça devrait lui appartenir à elle et moi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre à l'heure de moi. Il n'y a pas la polyangrie chez nous. Jusqu'au jour où on va légaliser, ça sera autre chose. Hein. Mais chez nous, on n'a pas la polyangrie. Ça veut dire que moi, elle peut fouiller son téléphone. Elle va fouiller ma main. Elle m'a pas, elle voit pour sa propose. Elle dit que je sais quoi. Donc, elle n'a pas. C'est pourquoi le téléphone d'un homme, c'est la zone. En fait, j'estime, ça c'est ma raison. Le téléphone, un homme, puisque si je peux me permettre de me tromper, les femmes ou bien, tu vois un peu, elle ne peut pas se permettre de se tromper. Donc, du coup, je peux vérifier son téléphone, même si je ne conseille pas aux hommes. Moi, je ne le fais pas. Je ne contrôle pas le téléphone. Mais vous pouvez le faire quand vous voulez. Je peux le faire, oui. C'est-à-dire que je peux me dire que d'un mois, elle ne doit pas avoir peur de me donner pour taille, pas avoir peur. Moi, je la protège. Moi, le cœur du. Ça s'est préparé à tout ça. Tu comprends ce que. Vous direz, tout dépend de la base de chaque relation. Non, je veux dire ce que j'essaie de dire. Le téléphone, c'est un objet. Quand j'écoute Black Koya, ça veut dire que ce qu'on cache dans le téléphone a toujours trait à les femmes, à les tromperies. Pourquoi vous pensez, pourquoi vous devez déjà penser d'abord. Je parle de ce qu'il a dit. Non, c'est par rapport à la question que je m'en posais. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que mon téléphone aussi, je vais te prendre un exemple. Mais je peux m'avoir un secret que je ne veux pas partager. Ça peut être un secret des familles, ça peut être un secret et tout. Mais je suis d'abord, je suis resté sur un angle pour dire que je peux me permettre de fouiller le téléphone de madame. Parce que tu aurais pu poser la question. Est-ce que, à l'inverse, comme tu te poses souvent, j'ai une fois répondu, l'inverse pour dire que moi, il peut me permettre. C'est pourquoi son téléphone, c'est pour elle et moi. Mon téléphone, c'est pour moi seul. Christian, quelle est ta position par rapport au téléphone et ton téléphone et ta compagne? Elle y a accès ou pas? Non, elle n'y a pas accès. Pourquoi? Elle n'y a pas accès. Ce n'est pas toujours parce qu'on a des choses à c'est pourquoi, cacher, l'infidélité à cacher le téléphone. Elle n'y a pas accès parce que ouais, c'est le mien. C'est tout. Et j'ai aussi remarqué quelque chose. Quand une femme constate que tu ne caches rien dans ton téléphone, elle ne fouille même plus. Hein. Non, par exemple. Non, même le jour qu'elle tombe, c'est le jour de la malchance. Hein. Non, elle est fou. Et je vous dis un truc. Ça fait 5 ans que je suis à ma femme. Je prends un exemple. Depuis qu'on s'est connus, elle est dans mon Facebook, j'en ai dans son Facebook. Elle reçoit mes messages. T'as vu dans mes pages. Elle est administratrice. Moi aussi, je suis administrateur dans sa page. Donc, ça veut dire qu'elle lit tous mes messages. Même mes téléphones sont là. Donc, souvent, moi, m'écrit, mais c'est elle qui répond. Elle dit oui, dans mes pages. Oui. Bon, maintenant, les téléphones sont là. J'ai ces codes, là, mes codes. Tu ne vas jamais l'avoir de me fouiller mon téléphone. Oui, mais c'est parce que vous êtes un homme fidèle et c'est tout à votre honneur. Ma là, question, je te moi, c'est pourquoi moi, si tu vas donner est-ce que nous sommes pas fidèles parce que c'est moi qui pose des questions. C'est parce que nos téléphones. C'est moi qui pose des questions. C'est parce que nos téléphones sont codés qu'on cache les fidélités. Il est arrivé que les femmes écrivent, mais me draguent. J'ai une question par rapport à ça. Non, mais je reviens à Christian. Pourquoi les femmes pensent toujours que quand si elle n'a pas accès au téléphone d'un homme, c'est parce qu'il est infidèle? Tu seras infidèle? Je n'y pense pas. Maintenant, je pose la question. Pourquoi elle n'a pas accès à votre téléphone? C'est la question que je pose. Parce que mon téléphone, parce que c'est le mien. C'est tout. C'est tout. Maintenant, si elle veut penser autre chose là-bas derrière, c'est son problème. Et voilà, merci. Il peut m'arriver de fouiller son téléphone. Non, mais il peut m'arriver de fouiller son téléphone. Et je vous dis, moi, souvent, quand c'est même déjà trop bloqué là, ça commence à me poser un problème. Hein. Voilà. Oui, non, ça commence à me poser un problème. Il faut que je vois pourquoi c'est trop bloqué. Vous deux, là, vous êtes des demi-dictateurs. Alors, passons aux violences et aux hommes. Dites-moi, de plus en plus, les hommes sont victimes de violences. Violence. Je voudrais savoir pourquoi vous n'en parlez pas. Pas beaucoup, je veux dire. Pourquoi vous n'en parlez pas? L'homme se présente toujours comme un lion. Il se présente comme le plus fort. Et si l'homme est, il y a des hommes qu'on tape dans les maisons. Hein. C'est bien ça sûr. Que je parle, bien sûr. Il y a des maisons où on tape, il y a des belles familles, tape quand on te met dehors. Il y a des hommes dans les maisons, ils rationnent, ils rentrent, ils appellent la nourriture. On dit que tes enfants ont mangé, pourtant c'est la famille qui. Et tout ça. Oh, souvent, la femme n'est même pas préparée. Elle te dit que j'étais fatiguée, mais la ration la compte pour le jour-là, mais elle n'a pas préparé. Et tu dois encore te. C'est toujours les violences. Oui. Même le fait que. Tu rentres, tu es fatigué, tu as fait une fois, on dit qu'on va encore. C'est toujours une violence. Donc, nous, on n'en parle pas parce que si on vous parle, si on commence à parler, on va dire que c'est que j'adore ça. Il y a des choses. Oui. Au même titre, certaines femmes ont peur de parler de viol. Au même titre, les hommes ont peur de parler de violence. Les hommes ont tellement peur de parler de violence. Mais un gars. C'est peur ou c'est honte? Non, c'est la honte. C'est la honte, non? Parce que, imagine, je prends un exemple. Ma femme peut ne pas être plus forte que moi, mais elle a le courage de me donner une paire de gifles. Comment j'explique ça à un ami? Gama, giflé. L'ami ne va pas. En fait, j'ai la difficulté à comprendre que l'ami comprendra que. Elle a juste eu le courage, ça ne veut pas dire qu'elle peut me battre, elle peut battre sur moi, ou elle peut me battre. Mais, je suis obligé de garder ça pour moi, de souffrir en silence. Voilà. Question. La honte. Oui.
C'est quoi la plus nocive pour vous? La violence physique ou la violence mentale que les femmes exercent? Mentale, moi, pour moi. C'est mental. C'est mental parce que c'est ce qu'elles peuvent exercer. Le mieux? Oui, elles peuvent l'exercer. Parce que physiquement, même si ça ne va pas, je vais te prendre et te montrer à la fin que je suis un homme. Que même s'il faut que je trouve le moyen de te traîner au sol, je vais te traîner au sol. Tu vois, mais c'est nocif parce que c'est mental à un moment donné, et c'est même le plus nocif parce que j'ai toujours moins apprécié que tu me tapes, même étant petit, que tu penses quelque chose de moi ou que tu me parles à chaque fois. C'est mental pour moi. Quand une femme, avec l'orgueil de l'homme, mentalement, te tient, c'est dur. C'est dur, c'est très dur. Faut pas supporter ça. Madame, vous avez compris ce qu'ils disent. Arrêtez de les violenter. Quand votre mari rentre, écoutez-le d'abord. Arrêtez d'abord les problèmes de la tante est morte, l'enfant est malade. Attendez un peu. Trouvez le moyen, pour trouver le bon cadre pour lui parler de tout cela. Maintenant, je vais vous poser la question à vous seul. Est-ce qu'on peut tout dire à sa femme? Je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on peut dire à sa femme, je touche 100 000 francs? Est-ce que vous le dites? Et est-ce que vous trouvez normal de le dire à sa compagne? Je parle à Blaise qui... Jusqu'ici... La plus d'expérience. Plus d'expérience, non, pas plus d'expérience. Bon, peut-être plus d'expérience parce que d'abord, si vous me permettez, peut-être votre grand-frère. J'ai marié. Voilà, je suis marié. Voilà. J'ai fait deux mariages. Vous savez que j'ai déjà l'expérience. Un mari qui a fait 9 ans et l'autre qui est tombé de relevé hier. Voilà, je suis tombé, je suis relevé. Bon, je vais aussi dire que ça dépend des femmes. Hein. Ça dépend des femmes, ça dépend de d'où la femme vient. Parce qu'il y a aussi l'entourage de la femme qui compte beaucoup. Hein. Ouais. La famille ou la femme, ta femme, qui compte beaucoup. Ouais. Voilà. Parce que la femme peut être celle qui veut le progrès, qui veut le progrès de son mari, mais la belle famille est derrière. Non, sois intelligente. Sois sage. Sois sage, ouvre ton compte quand on te donne 10 000, coupe même 2 000, tu mets dans le compte, tout ça. Voilà, quand tu commences à tout ça, tu commences à cacher certaines choses. Voilà. Quand on aime et qu'on est en harmonie avec... sa compagne, on se partage tout. Ouais. Mais l'homme a toujours son joker. La balle du shérif à côté, là. Ça veut dire que tu as répondu qu'on ne peut pas tout dire. C'est ce oui, on va tout dire. On va tout dire entièrement. Si on dit il y a 90%, on a tout dit. Oui. Non, le 10% est même plus important que les 90%. Non, jamais. Au contraire, on dit le plus important à la femme. Oui. Le 10%, là, c'est pour maintenir le cœur en vie. Allez, c'est comme il dit, ça dépend de qui est ta femme. Oui. C'est que tu auras eu le temps de véritablement comprendre la personne avec qui tu es, de comprendre ce qu'elle pense de la vie, de comprendre ce qu'elle pense du couple, de comprendre ce qu'elle pense du projet de vie et de vous, tous les deux. Parce qu'il y a son rêve, hein, parce que toutes les femmes ont déjà leur idéal dans leur tête, mais après quand ça devient une affaire de vous deux, tu la vois au quotidien, même en regardant, même à travers des petites choses. Il y a un grand frère qui a dit à la télé un jour qu'il faut même souvent de temps en temps même gifler ta femme, même pour rien. Tu vois comment elle réagit. Les gens sont tombés sur lui, mais il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort parce que ça permet que tu vois le type de réaction qu'elle va avoir derrière et que le jour c'est vraiment sérieux, que tu saches véritablement ce qui va se passer et que tu te dises si oui ou non, tu vas t'engager dans une relation comme celle-là. Donc, le temps va permettre que tu saches véritablement tout ça parce que tu vas l'observer. Il faut toujours. Moi, c'est d'abord. C'est ce que je fais, hein, les gars. Moi, je l'observe. Je lui tends les pièges à tous les niveaux. Même sur les affaires d'argent, on dit que bon, je fais l'effort quand même de te parler de quelque chose, même sans rien te dire. Et de voir comment tu prends la chose, comment tu pousses la chose. Parce que je suis très famille et je suis très projet dans la famille. Et si tu parviens à avoir ça, je vois pas pourquoi je te dirais pas l'essentiel de ce qu'il faut te dire. Messieurs, on va bientôt se séparer. Et je voudrais quand même qu'on aborde un sujet qui est important. Que pensez-vous de l'égalité dont elle parle à corps et à cri, l'égalité de sexe, Blakoya? C'est impossible, est-ce que c'est possible? Moi, je comprends. Qu'elle se tienne debout ici aussi, on voit. Une femme te dit que égalité des sexes et tout ça, à 23 ou à 1h, quand le bandit toque à la porte, bébé, c'est comme s'ils sont là. C'est comme s'ils sont là, comment? Mais toi, va gérer. Comment tu m'appelles qu'ils viennent, bébé, donc j'ai le corps qu'on peut tuer. Après, quand il fait des vomitiques aujourd'hui, il dort devant. Le jour où tu dors devant, vas-y, va gérer. Donc moi, l'égalité n'existe pas. Je crois que c'est juste le fait de l'importation des choses qui se passent sur les blancs et tout ça. Et comme on a trop de télévision des blancs chez nous, c'est ça
qui nous dérange. Mais je dis encore aux femmes, il va m'en vouloir. Tout ce qu'il dit ici, là, c'est pour l'émission. mais Blaise, est-ce que vous arrive de laver des dessous de votre femme, peut-être? Moi, c'est ce que j'appelle l'égalité. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Est-ce que vous arrive de laver les dessous, par exemple, de madame, de faire de la cuisine, souvent, de temps en temps? Non, faire la cuisine, non. Je travaille déjà assez. Bon, les dessous, ce n'est pas une obligation. C'est pas que c'est mon job. J'ai pas arrivé. Il y a souvent, j'ai rendu du sport. Ça m'arrive constamment. J'ai rendu du sport. Peut-être que j'ai enlevé les trucs. Peut-être. La tenue de sport, oui. Non, la tenue de sport, c'est la ménagère qui s'en occupe. Maintenant, peut-être que j'en ai lavé mon slip que j'en ai de sport avec. Et que je trouve. Les siens, je suis obligé de laver le tout une fois. Parce que c'est pas que c'est une opération. On va dire que. Non, tu n'as pas vu ce qui est trempé depuis le hier. Non. Mm. Il peut arriver. Il m'est arrivé peut-être. Il m'arrive de temps en temps de le faire. Mm. Rapidement, Blakoya et Christian, j'aimerais avoir votre avis en quelques secondes là-dessus. Laver quoi? Je commence par Christian. De le faire instinctivement, non. Je le fais en fonction des circonstances. Voilà. Et que si elle est malade et tout. Elle est dans l'incapacité, peut-être fatiguée. Je peux prendre sur moi de faire un certain nombre de choses qu'elle fait. Mmh. Mais comme ça, là, non. Que c'est vendredi aujourd'hui, c'est... Non. C'est comme la cuisine, vous comprenez. C'est comme la cuisine. Et il arrive souvent où je suis allé au sport, sur l'entrée, plutôt qu'elle dort encore. Je lui fais petit jet rapidement pour la suspendre dans la chambre avec. Oh là, c'est les choses que je veux. Est-ce que tu fais le film là? Tu fais un vrai je veux votre avis sur la question. Laver les souvenirs. Oui, est-ce que vous arrive de le faire? Je dis bien, est-ce qu'il vous arrive de le faire quand vous dites. Non, je n'ai jamais fait, parce qu'elle était malade. Hein? Il faut qu'elle soit malade, qu'elle ne peut rien faire. Et si elle a beaucoup de sous-vêtements, d'abord utiliser ce qui est propre. Parce que... Elle m'a guéri, elle m'a lavé elle-même. Bon, espérant qu'elle ne sache pas. Je suis vraiment comme tu croyais, là, Emma. Donc, il y a un ancien gars. Par contre, j'aime quand elle lave mes sous-vêtements. C'est-à-dire que je prends ma douche, je laisse mon sous-vêtement exprès. Oui, je ne sais pas. Mais c'est comme non, ça. Mais ce qu'elle disait, c'est elle qui lave mes sous-vêtements tous les jours. Mais il peut arriver qu'elle-même a mis ses sous-vêtements, tu vois, qu'elle n'a pas encore lavé. Tu rentres, je rentre, je trouve peut-être que ce que j'ai même hier pour moi, mais n'a pas encore lavé, et qu'il y a les siennes, tu laves une fois le tout, je sais, ça lui fait un grand plaisir. Monsieur, c'est aussi ça l'amour, c'est ces petites attentions, et nous, on en a grand besoin. C'est ça qui déclenche tout chez nous, ces hormones-là et tout. Comme ça, vous êtes sûr que dans le lit, le soir, vous êtes satisfait quand vous... Ça, c'est un conseil de femme aussi. Souvent, on aime tout ça. Quand... Non. Blakoya, ces petites attentions-là aussi, ça nous prouve que vous nous aimez. Ça nous prouve que vous voulez aller avec nous. Messieurs, merci. Merci Christian, merci Blaise, merci Blakoya. J'ai passé un bon moment, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé un bon moment. C'était magnifique. Mesdames, j'espère que vous avez pris des notes, vous avez mieux compris aujourd'hui ce que veulent vos hommes, nos hommes. Messieurs, merci encore, je suis contente, je peux partir. Merci encore. Avant de partir, il faut éviter qu'elle nous mette la pression. Hein, parce que merci. Comment nous mettre la pression, ça nous fait fuir. Je vais le dire aussi. L'homme n'aime pas la pression. Les hommes aiment la liberté. Ouais. Ils n'aiment pas la pression. Trop de capacité. Donnons-leur de l'espace. Mm-hmm. Essayons de mieux les connaître, de mieux les comprendre. Parce que tout compte fait, c'est une femme qui garde, qui tient le foyer. Mesdames, messieurs, merci pour ce moment. Retrouvons-nous la semaine prochaine. Merci Didier Kamga qui est derrière. Merci Roland Mbappé qui est à la caméra. Retrouvons-nous pour la prochaine édition. Si Dieu le veut, au revoir.